Sur l'application Mon répondeur automatique, vous pouvez vous connecter en insérant votre email et votre mot de passe. Si vous n'avez pas créé encore de compte, vous pouvez toujours vous enregistrer directement en cliquant sur Enregistrer. Lors de votre première connexion, vous êtes renvoyé vers la page des informations où vous pouvez rentrer le type de métier que vous exercez et puis ensuite votre nom. Une désignation assez longue, votre adresse, votre numéro de téléphone, les heures d'ouverture et bien d'autres données professionnelles. Lorsque vous avez terminé de rentrer vos données, vous revenez sur la page d'accueil principale et vous retrouvez les boutons avec les liens vers les différentes pages. Donc vous pouvez retourner sur vos données personnelles pour les corriger éventuellement. Vous revenez ensuite vers la page d'accueil et puis vous sélectionnez vos chatbots. Sur cette page, vous allez pouvoir sélectionner les chatbots ou les applications qui peuvent vous intéresser pour collecter des données. Lorsque vous cliquez sur Détails, vous vous retrouvez sur la page d'information de l'application ou du chatbot et vous allez retrouver soit le QR code que vous pouvez coller dans des publicités ou sur votre restaurant pour pouvoir prendre des réservations de table, ou alors utiliser la page Mon répondeur automatique, ou alors intégrer un snippet dans votre site internet pour pouvoir faire les réservations. Sur votre page d'accueil, vous allez pouvoir retrouver vos données en cliquant sur le bouton, et vous allez pouvoir retrouver les réservations que vous avez pour le jour ou pour le mois. Et ces données vont être synchronisées avec un fichier Excel ou alors sur votre agenda.